J'ai l'impression que l'Amérique fait marche arrière. Et puis on a beaucoup de doutes quand même sur son rapport avec les femmes est quand même très douteux. Et c'est pas convaincant. Donc je pense que c'est quelqu'un qui est tourné vers le passé, mais pas vers l'avenir. Et ça, pour moi, c'est grave. Mais dans la vie, vous savez, on fait un pas en avant, on en fait trois en arrière. Donc je ne vais pas condamner l'Amérique pour ça. Je fais ça comme tout le monde. Mais c'est quand même inquiétant. C'est que c'est le populisme qui monte beaucoup. Voilà, c'est le tour des conservateurs, des extra-conservateurs. Alors forcément, c'est pas mon penchant. Moi, je suis plutôt pour le modernisme. Voilà. Déjà, moi, par ma nature, je suis une personne. Vous avez peut-être vu ou vous avez rien vu, mais je suis une personne. Je suis pas femme de naissance. Je le deviens. D'accord. Donc, forcément, je sais pas dans quelle mesure on aura toujours notre place. Et déjà qu'en France, c'est une situation qui est très difficile parce que la France est très en retard sur l'acceptation de nos personnes. Ça a commencé tout juste à bouger en fin de mandat socialiste. Il ne faudrait pas que tout soit remis encore en cause avec un nouveau mandat ultra-conservateur. Ce serait difficile pour nous. Ce serait difficile pour nous parce qu'aujourd'hui on est un petit peu soutenu, c'est plus ouvert et ça pourrait être très difficile. Si on avait l'extrême droite qui passait en France, on perdrait tous nos droits. C'est à peu près une chose sûre.